Bonjour tout le monde, vidéo découverte Inner Space. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce jeu. Voilà, tout simplement, hein, on va pas se mentir. Donc vous voyez là, je peux déplacer des babales. Mais ça doit être le temps de chargement, certainement. Hein, donc ils m'occupent, ils sont gentils comme tout. Alors je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme jeu. Si c'est un jeu. C'est un shoot'em up ou un. Donc avec nervosité, hein, on peut abattre des ennemis, ou est-ce que c'est de la promenade dans l'espace? Enfin, je sais pas du tout ce qu'il en est. Donc on va voir ça ensemble. Bon, au vu de la musique, ça a l'air d'être super tranquille, hein. Ça a l'air d'être un jeu poétique. Une cellule. Donc, je pense que ça va être vraiment plus dans la poésie, ce jeu. Hein. Il va certainement nous emmener dans des endroits gigantesque et légendaire, merveilleux. Alors, j'ai pas regardé qui c'est qui avait fait le jeu, si c'est pas la personne qui avait fait Abzu ou The Journey, je sais pas trop. En tout cas, ça y ressemble pour le moment. Moi, je teste pas, je découvre les jeux comme ça. Hein. J'ai pas. Je veux dire que par là, qu'il faut rester neutre. Hein. On n'a pas à regarder, à savoir qui a développé tout ça. Quand on le sait d'office, parce que bon, le jeu a une presse qui a été. Monumental, bon, on peut pas se mentir, mais là, les petits jeux comme ça et indé, en accès anticipé, bon, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas forcément de recherche là-dessus. Alors, ce codage-là, je le comprends très très bien. Archéologie. Alors. Ah, et nous avons de nouveau ce plaisir d'avoir ce petit temps de téléchargement finalement là. J'ai même pas eu le temps de jouer avec les babales. Oula, alors. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, on peut se déplacer, on peut zoomer, d'accord. Alors. Voilà, on va régler tout ça. Donc déjà, si je vomis pas, tout va bien se passer. Voilà, ok, bon. Je pense que les commandes sont prêtes. Là, je vais gerber, je vais gerber. Qu'est-ce que c'est que ce jeu qui est Space, 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 hein? Oula! Ah là là! C'est inversé. Catastrophe. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et il veut être sûr que je comprenne bien les boutons, en fait, hein, tout simplement. D'accord, 5, 1, ah, j'ai déjà loupé lui. Ah super, ouh ça commence bien. 2, d'accord, super. Ok. Ouh là là. Ouh là là. Et un dernier. Voilà. Alors, sortez de l'eau.
C'est bizarre, hein, c'est Space. Hein, alors j'avais joué à un jeu qui était Space, c'était Shield of Eden il y a très longtemps. Où je trouvais que c'était Space, mais là, je pense qu'on est dans déjà une introduction encore plus Space. Hein. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il va falloir prendre des choses illicites pour avoir une immersion dans le jeu? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va pas se le taper, ça, parce que là, forcément... Donc il s'est crashé, d'accord, vas-y. Alors, nous sommes ce petit avion. Qui peut aller dans l'eau. Qui ne peut pas aller dans l'eau. C'est un drapeau. Ah, mais je suis dans un autre monde là. Enfin, je suis dans le monde à l'envers, non? Qu'est-ce que c'est que ce jeu étrange? Après, ça vaut le coup de le tenter quand même, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas mon style de jeu en fait là, hein. Je vous cache pas que c'est très calme, hein. C'est, je trouve, il en faut pour, hein, y a pas de souci pour tous les goûts, y a pas de. Comme ça, quoi, tu vois. D'accord. Ah, j'ai compris, hein, je veux bien. Alors, retournez. C'est curieux, c'est très curieux. Hein. Je peux le monter en level. C'est bizarre quand même, hein, les amis, hein. Je vous cache pas que c'est bizarre, hein. C'était vraiment pour le découvrir, mais c'est. Je pense qu'on peut y passer du temps. Il y a des personnes qui ont certainement fait des belles vidéos sur ce jeu. C'est pas mon. C'est. Je voulais le voir par curiosité. Je pensais. Alors, vraiment, je pensais pas m'attendre à ça en fait. Je pensais que c'était plutôt de la balade et tout. Et enfin, voilà, bah voilà, on est un petit peu dans ce délire-là. Par contre, c'est beau, hein, la musique est douce, je veux dire que c'est élégant, hein, c'est pas. Mais je ne sais pas quoi en penser en fait. Donc là, ici, il doit se recharger certainement. Allez, on poursuit. Ouh là là, on poursuit rien du tout. C'est là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors d'ici, oui. Voilà, donc on continue. Donc oui, c'est très poétique, hein. C'est. Voilà, genre je connaissais pas. C'est vrai que c'est pas. Ouh, c'est pas trop mon truc. Hein.
Ça ressemble beaucoup à The Journey quand même, hein. The Journey et Abzu. Mais Abzu était beaucoup plus. Ah, c'est plus sympa parce que t'es dans un océan, tu te promènes. Là, finalement, je. Bon. C'est pas le problème que ça soit épuré, c'est que c'est. Spécial. C'est spécial en fait. C'est pas trop. Tu sais pas trop quoi faire en plus, enfin je sais pas, c'est spécial. Alors, est-ce que je peux rentrer là-dedans déjà? Ah, ça passe pas. Mince. Ça passe pas du tout. C'est assez space quand même, hein. C'est bon. Bon, moi je vais m'arrêter là, hein. Je vais pas continuer ce jeu puisque de toute façon je n'ai pas cette passion de ce jeu. Donc voilà les loulous. Je suis désolé, mais voilà, je voulais le voir et je l'ai vu. Donc voilà. On va passer tout de suite à un autre petit jeu que j'ai envie de faire. C'est Forza Motorsport, pas du tout. Forza Horizon. Forza Horizon 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo de découverte. Hein. Et au moins, on a vu. Enfin moi, en tout cas, j'ai vu à quoi m'en tenir. Et voilà. C'est pas mauvais, mais voilà. Bon, c'est pas mon truc. Au revoir. Ciao, ciao.